Tournez. Vous avez Paul Tourdi ? Alors on continue. Et vous pouvez aller retrouver les courants d'air. Alors les courants d'air, c'est aussi une jeune chorale, c'est jeune, puisqu'elle est née en 2005. Ouais, non, c'était 10 ans. Elle a 10 ans. Et oui. La chorale des courants d'air, en fait, c'est 10 ans. Est-ce que notre chef de chœur est un peu dans le noir? Pourquoi vous le voyez, votre chef de chœur? T'as un micro? Ouais. Est-ce que tu as éventuellement un micro si t'as des choses à nous dire? Bonsoir. Ouais, ouais. Alors, vous allez bien? Ouais. Est-ce que vous allez bien, il demande? Ouais, est-ce que vous allez bien? Il le fait pas mal. Ok, donc nous on va chanter 5 chants, donc c'est pas dans l'ordre du livret. C'est pas grave, on a. Et on a même des petites surprises encore. Ah, donc, le premier chant, ça va être La Femme Chocolat d'Olivia Ruiz. Je suis un homme de Zazie. Ah, voilà. Super. Je suis un homme de compagnon.
incursion dans l'univers de notre jazzy national. Merci. Merci au courant d'air. Alors maintenant, vous nous emmenez. C'est maintenant, donc c'est, oui, c'est la surprise. En fait, on avait marqué, on avait envoyé une liste avec Somewhere Over the Rainbow parce qu'on s'est dit qu'on avait super bien chanté en anglais. Et on a préféré faire un autre chant. Donc voilà, c'est la petite surprise du soir. C'est Je ne veux pas travailler de Pink Martin. Ok. Vous connaissez? Bien sûr. Vous connaissez? Oui. Ah, vache. Alors, ne cherchez pas celle-là dans les livres, mais elle n'y est pas. Forcément, on l'a beaucoup entendu à la radio, c'est Soul Man de Ben L'Oncle Soul. Bien sûr, vous pouvez y aller sur le refrain, il faut se lâcher là. Alors profitez-en. Yeah.
Merci. Et pour conclure, on va finir avec un chant que tout le monde connaît. En tout cas, le refrain. C'est le Bohemian Rhapsody du groupe Queen. Waouh. Un peu plus de piano pour le cœur, s'il vous plaît. No.
d'être passé nous voir. Et pour en verra très très bientôt, chef de terre, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de choristes, s'il y en a qui ont des velléités de chanteurs? Un petit dernier mot. Oui, ben on cherche toujours des hommes dans les chorales, c'est bien connu. Très bien. Donc, les mecs, à vous.